La 14e journée mondiale du tourisme a été célébrée hier. L'apothéose a été marquée à Anijo par plusieurs activités, notamment une caravane des acteurs du tourisme à travers les rues de la ville. Cette journée, selon les organisateurs, entend sensibiliser les communautés sur l'importance économique, sociale et culturelle du tourisme. Édouard Sono. Les discussions lors de la conférence ont tourné autour de plusieurs thématiques, notamment le tourisme face aux défis du PND, tourisme et emploi décent, opportunités d'emploi dans le secteur du tourisme. Serge Messin, directeur commercial à l'hôtel du 2 février, conférencier. Le Togo a des atouts énormes sur le plan culturel, balnéaire. Il y a une volonté gouvernementale de faire avancer les choses. Cet élément réuni permet de dire que dans les mois qui suivent, il y aura de très belles opportunités pour les demandeurs d'emploi. Il y a aujourd'hui aussi un métier que moi j'apprécie énormément. C'est le métier de guest relation VIP. Alors le guest relation VIP, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on reçoit des personnalités, sait pouvoir les accueillir dans les normes de l'art. On est une terre d'accueil, mais il y a des standards d'accueil. Le directeur du cabinet du ministre en charge du tourisme, Germain Ndam, a de son côté indiqué que cette journée vise à sensibiliser les communautés sur l'importance économique, sociale et culturelle du tourisme. Il s'agit également de faire la promotion de la gastronomie togolaise. La journée mondiale du tourisme se célèbre de façon rotative dans les différentes grandes villes du pays. Cette année, nous avons décidé de célébrer l'apothéose à Anijo, qui regorge de plusieurs sites culturels et touristiques. Par rapport à la dégustation, nous avons voulu montrer la fécondité de la gastronomie togolaise. Nous avons une très bonne renommée dans la sous-région en matière de gastronomie. Les travailleurs des secteurs du bois, du bâtiment et des travaux publics ont une nouvelle convention. Le texte qui prend effet à compter du 1er janvier 2020 contient des innovations. Il est surtout question dans ce nouvel instrument d'améliorer les relations entre employeurs et employés. Gabriel Aïna. La nouvelle convention collective des entreprises de bâtiment, des travaux publics et connexes du Togo apporte selon ses signataires plusieurs innovations qui ne figurent pas dans le code du travail. Le but est d'améliorer de façon significative les conditions de travail des employés pour de bons rendements au profit des employeurs. La signature de cette convention est intervenue entre le groupement national des entreprises du bâtiment et des travaux publics et les syndicats réunis au sein de la FTBC affiliée à la centrale syndicale des travailleurs du Togo. CSTT. Le document a été paraphé sous la supervision de la Direction générale du travail et des lois sociales que dirige Douaménion Komi Maoussi. Les innovations concernent les indemnités, comme les transports, comme les logements, comme les secours après décès et bien entendu d'autres. Maintenant, on ne va pas revendiquer pour le plaisir de revendiquer, mais on va revendiquer en tenant compte des disponibilités budgétaires de l'entreprise. Et c'est ces éléments qui constitueront la base des discussions, c'est pourquoi nous disons dialogue permanent pour solutions acceptables pour tous. Les différentes parties ont salué la signature de cette convention qui, assure-t-elle, est pour les employeurs et les employés un cadre de référence à un dialogue permanent. Ce communiqué de la CENI qui est à l'attention des opérateurs de ces IOPS de 2018 et de 2019. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, la Commission électorale nationale indépendante CENI envisage d'organiser une révision des listes électorales. À cet effet, le président de la CENI porte à la connaissance des opérateurs de ces IOPS, des formateurs et des agents techniques ayant participé à l'opération de recensement électoral en 2018 et à la révision des listes électorales en 2019 et qui sont disponibles à travailler avec la CENI au cours de la prochaine révision des listes électorales prévue pour se tenir au dernier trimestre de 2019, qu'ils peuvent confirmer leur disponibilité sur le site de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, www.anpetogo.org, à compter du 28 septembre 2019. Les OPS qui ne confirmeront pas leur disponibilité au plus tard le 5 octobre 2019 ne seront pas pris en compte et aucune réclamation ne sera acceptée après cette date, quelle que soit la raison évoquée. Les OPS qui auront confirmé leur disponibilité suivront une formation à l'issue de laquelle un test sera organisé en vue de sélectionner les meilleurs
pour la révision des listes électorales. Le président de la CENI, Tchambakou Ayassor. En Côte d'Ivoire, les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante ont prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel. Trois membres ont été proposés par le RHDP, trois par les partis d'opposition, six par la société civile et trois par des institutions. Les principaux partis d'opposition, le PDCI et le FPI, pro-Gbagbo notamment, et une grande partie de la société civile ont refusé de participer à cette commission qu'ils jugent inféodée au pouvoir. Les représentants de l'opposition font l'objet de critiques de la part des partis qui refusent de jouer ce jeu. Le chef de l'ONU demande un soutien international pour la transition au Soudan. Ce soutien, selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devrait inclure la suppression immédiate de la désignation du Soudan comme un État soutenant le terrorisme, la levée de toutes les sanctions économiques et la mobilisation d'un soutien financier massif pour le développement afin de pérenniser les progrès politiques actuels. Le Soudan a sombré dans le chaos politique après l'éviction du président Omar el-Béchir par un coup d'État en avril 2019 à la suite de plusieurs mois de manifestations de rue. Un gouvernement de transition dirigé par des civils a été formé le 5 septembre dernier. Les Algériens disent non à la présidentielle du 12 décembre prochain. Comme ils le font chaque vendredi depuis le mois de février, ils sont descendus dans les rues hier au lendemain de la mise en garde du chef d'état-major de l'armée contre toute entrave au processus électoral. Les manifestants ont également réclamé la libération de prisonniers, notamment celle de l'homme politique Karim Tabou. Libéré mercredi, il a de nouveau été arrêté et placé en détention provisoire par un juge d'un autre tribunal. Comme la semaine passée, le dispositif policier était important. Cette 32e manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre un peu avant 17h30. Les protagonistes de la crise anglophone au Cameroun se retrouvent lundi prochain à Yaoundé, la capitale, pour un dialogue national. Les populations anglophones sont partagées. Certaines espèrent que le dialogue débouchera sur la résolution de la crise, d'autres n'en attendent pas grand-chose. Bénédicte Konda. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le président camerounais Paul Biya a convoqué mi-septembre un grand dialogue national à Yaoundé. Ce dialogue, qui se tient du 30 septembre au 4 octobre, a pour ambition de mettre un terme à la crise qui sévit dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, où vit la plus grande partie de la minorité anglophone du pays. L'annonce de ce rendez-vous a toutefois suscité l'espoir d'anglophones plus modérés comme l'influent archevêque de Douala, le cardinal Christian Toumi, qui avait salué l'initiative et supplié les séparatistes d'y participer. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme alors que d'autres réclament la partition du pays. Deux hypothèses que refuse le pouvoir. Parmi les 16 leaders séparatistes anglophones conviés au dialogue, des éminents chefs de groupes armés ont annoncé leur refus d'y participer. Ils estiment qu'avec ce dialogue, le Cameroun veut jeter de la poudre aux yeux de la communauté internationale plutôt que de trouver une solution complète et durable à la raison pour laquelle la crise est née. La plupart de ces leaders ont réaffirmé leur volonté de discuter avec le gouvernement, mais demandent que les négociations se déroulent en présence d'un médiateur international à l'étranger et que les termes de la séparation soient le principal point à l'ordre du jour. Bénédicte Kanda, près de 10 millions d'électeurs afghans, dont 35% de femmes, ont commencé à voter ce matin pour l'élection présidentielle au terme de laquelle sera élu le nouveau président pour un mandat de 5 ans. Il s'agit de la troisième élection présidentielle en Afghanistan depuis que le régime des talibans a été chassé du pouvoir en 2001. 18 candidats sont en lice, dont le président sortant Mohamed Ashraf Ghani ainsi que le chef du gouvernement Abdullah Abdullah. La sécurité reste le défi principal de l'organisation de cette élection.
Invité du journal à présent, nous recevons ce samedi M. Idrisso Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Le gouvernement soucieux du bien-être des détenus, des travaux de réhabilitation d'ouvrages sont en cours à la prison civile de Lomé. Il s'agit de refaire tout le système électrique et de construire de nouveaux appartements au sein de l'institution pénitentiaire. Le ministre en charge de la justice, Pius Agbetome, a rencontré les détenus mercredi dernier pour des échanges sur l'usage rationnel des infrastructures une fois réalisées. Nous revenons, j'allais dire, sur les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de détention et sur les préoccupations des détenus. C'est avec le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Idrisso Akibou. Il est au micro de Gabriel Aïna. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Aïna. Aujourd'hui, comment se portent les prisons du Togo? Les prisons de notre pays se portent comme on le voit, avec une surpopulation très très galopante et avec aussi son corollaire de conséquences. Les prisons de notre pays ne sont pas ce que nous aurions souhaité. Parce que le niveau de criminalité a augmenté ces derniers temps. La récidive fait son chemin. Les jeunes qui sortent des prisons n'ayant pas de métier, donc sont obligés de revenir, gonflant ainsi la population carcérale de notre pays. Donc il y a des maux qui minent les prisons de notre pays actuellement. Vraiment, je suis touché par la sincérité dans votre réponse. Il y a des associations, des ONG, je dirais la société civile également, qui est fortement engagée aux côtés de l'État dans la réinsertion. Dites-nous, le problème est où? Au niveau de la criminalité, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui explique cela? Et ceux-là qui sortent et qui retournent, le problème c'est où? Lorsque les jeunes sortent des prisons, ils finissent leur peine, ou lorsqu'il y a des libérations anticipées, ils reviennent dans la société, ils reviennent dans leur quartier, dans leur village respectif, mais n'ayant pas une activité, ils sont obligés de recommettre d'autres actes, d'une part. Et le problème aussi, c'est que dans certains milieux, quand il y a un incident ou bien quand il y a quelque chose qui a été commis dans ce milieu-là, ces personnes sont indiquées. Et c'est une sorte de stigmatisation qui est faite, de sorte que les ex-détenus ne se sentent pas à l'aise dans leur milieu d'origine. Et c'est ce qui fait que ils sont directement, comme vous le dites, indexés pour toute manifestation ou bien tout incident qui se produirait dans leur milieu. Pour la nécessité de l'enquête, les officiers de police judiciaire sont obligés de les ramener à la justice pour que le travail d'instruction soit fait. Donc c'est ça qui fait gonfler encore les effectifs au niveau de la prison. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui a visité, c'était mercredi, la prison civile de Lomé, des travaux sont en cours actuellement, notamment sur la réinstallation électrique et le désencombrement de la cour principale de la prison civile de Lomé. Qu'en est-il concrètement? Avec cette forte concentration au niveau de la prison de Lomé, d'une manière spécifique, et des prisons en général du Togo, et tout ce qui était prévu est battu en brèche. Vous avez dans les cellules, les effectifs sont gonflés parce qu'il n'y a pas de choix. Et ça fait que les pensionnaires de ces prisons-là font une utilisation anarchique ou sauvage de l'électricité. C'est ce qui fait que nous avons souvent des incendies. Oui. Et au cours de l'année 2018, c'est-à-dire que l'année dernière, nous avons eu au moins 8 incendies. Heureusement, qui ont été sauvés par la société et puis les sapeurs-pompiers qui nous sont venus en aide. Donc, ce sont des branchements qu'ils font à l'intérieur avec des fils de mauvaise qualité. Et ils ne sont pas des spécialistes de la matière et même ils le font. Alors qu'ils ne sont pas des électriciens. Donc ça fait que nous avons beaucoup de ces problèmes-là. Donc face à cette situation, nous avons fait des rapports à notre hiérarchie et il a été décidé de corriger ce système-là afin que nous puissions éviter dorénavant ces incendies que nous avons eus par le passé.
Parce que s'il arrivait que ces incendies ne soient pas maîtrisés, nous risquons d'avoir des problèmes parce que c'est une enceinte close. Ouais. Et nous risquons d'avoir des personnes calcinées à l'intérieur. Mm-hmm. Mais tant que la sécurité n'intervienne pour ouvrir les portes là, mm-hmm. ça peut créer. Donc c'est pour prévenir cela que l'autorité a pris les dispositions pour qu'on puisse faire une nouvelle réinstallation électrique. Mm-hmm. Et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Quand les travaux de la nouvelle installation vont être faits là, l'ancien système va être abandonné. Mm-hmm. Donc va être enlevé carrément, de sorte que le contrôle de la lumière, le contrôle de tous les appareils qui vont être utilisés à l'intérieur de la prison seront commandés de l'extérieur. Et ça évitera tout problème. Et au-delà de cela, vous avez pu constater que si à l'intérieur, dans la cour de la prison, il y a tout un encombrement parce qu'il y a beaucoup de bagages des détenus, parce qu'ils sont nombreux d'ailleurs, il y a beaucoup, et ils ont fait des appartements de fortune. Sinon des hangars de fortune constitués de tissus, de pagnes qui sont posés, constitués de plastique, constitués de carton. Mm. Et au même moment, ils font la cuisine à côté. Mm. Donc, nous nous sommes dit que si des dispositions ne sont pas prises, nous risquons qu'il suffit qu'une braise tombe là-bas, que toute la prison aussi prenne feu. Donc, c'est fort de ce constat-là qu'il a été décidé par notre hiérarchie, de faire non seulement une nouvelle installation électrique, mais aussi de raser tout ce qui est en cas de fortune et mettre des appartements dignes, des appartements élevés, permettant une aération pour les détenus qui sont au niveau de la prison civile de Lomé. Oui, tout ceci pour la sécurité des détenus. Et si je dois rappeler ou je dois répéter le ministre de la Justice, la dernière fois, le ministre Pussagbetome, qui le disait, tout ceci, tout ce dont vous venez de parler, a été possible grâce à l'intervention personnelle du chef de l'État. Et la dernière fois, le ministre était à la prison civile de Lomé. Dites-nous la raison de sa visite. Oui, donc, vous voyez, avant d'entreprendre un travail dans un milieu comme ça, parce que c'est un milieu non seulement vulnérable, mais spécifique, oui. Donc, il a fallu venir discuter avec les intéressés. Oui. Donc, à l'entame des travaux, le ministre était venu et leur en avait parlé et des discussions avaient été faites pour voir de la manière dont il faut mener les travaux afin que ça puisse leur profiter et qu'à la fin, qu'ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas été associés. Donc, comme les travaux ont commencé, il est de bon ton que le responsable de cette structure, qui est le garde des Sceaux, qu'il vienne pour discuter avec eux par rapport à l'après-travaux. Après les travaux, comment ça va se passer? Ouais. Donc, c'est pour les rassurer que le ministère de la Justice est disponible pour toute discussion par rapport à la façon dont il faut faire pour que eux, leurs détenus, leurs conditions de détention soient les meilleures possibles. Oui. Et alors, aujourd'hui, après les discussions, vous y étiez. Est-ce que vous pensez que des solutions ont été trouvées? Oui, les solutions ne peuvent qu'être trouvées. Ce qui est évident, nous ne pouvons pas trouver des solutions à 100%, oui. Mais nous allons les trouver au fur et à mesure de l'évolution des travaux, parce qu'il y a des inquiétudes qu'ils sont déjà en train de soulever, oui. Et nous en sommes conscients. Des dispositions vont être quand même être prises pour que la majorité des pensionnaires de la prison civile de Lomé puissent quand même bénéficier des joyaux en train d'être réalisé actuellement. Oui, ça fait une belle transition. Si je me rappelle bien la dernière fois, lors des échanges avec le ministre et disons toute sa délégation, le point qui avait le plus marqué la rencontre, c'est plutôt les appartements qui seront construits. Et là, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Ils ont fait des propositions, des concessions. Il a même été peut-être dit qu'ils aillent réfléchir. D'abord, passer le message aux autres. Dites-nous comment est-ce que la direction va se prendre une fois ces conceptions revenu à votre niveau et vous aussi les conceptions avec le ministère pour que chacun puisse bénéficier, pourquoi pas, de ces ouvrages sans exception aucune. Notre intention, c'est que le plus faible au niveau de la prison civile de Lomé puisse se sentir quand même à l'aise. Mmh. Quand les conditions sont améliorées, elles ne le sont pas seulement pour les plus forts, parce que nous savons que la prison, c'est une spécificité, et que c'est le plus fort qui gagne, parce que ça, c'est une cuisine interne des prisons. Mais l'objectif de la direction, c'est que
tous les détenus de la prison civile de Lomé puissent bénéficier de cela, comme nous le disons. Et nous sommes en train de mener des discussions avec eux, avec les responsables des cellules, les responsables des bâtiments et les responsables des différents services internes au niveau de la prison, ensemble avec la sécurité, pour que, même si, comme je le disais, si ce n'est pas à 100%, que nous ne puissions pas faire des malheureux après l'amélioration de ce que nous appelons amélioration des conditions. Donc, des discussions sont en cours et les travaux ne sont pas encore achevés. Nous avons l'espoir que d'ici la fin de ces travaux-là, nous puissions quand même aboutir à un consensus qui va permettre que le plus faible qui n'a pas de visite, qui n'a personne au niveau de la prison civile de Lomé, puisse se sentir quand même plus ou moins à l'aise par rapport à la situation qui était dégradé et que nous sommes en train d'améliorer actuellement. Nous tendons pratiquement vers la fin de cet entretien. Les détenus ont émis le vœu la dernière fois que les prochaines rencontres soient consacrées ou s'attardent plus sur les doléances. Quels sont selon vous les défis à relever au sein de ces prisons ou ces préoccupations dont les détenus voudraient échanger avec l'administration? Au niveau des prisons, il y a beaucoup de défis. Le défi le plus visible, c'est que les détenus veulent se sentir à l'aise, leur effectif soit diminué. Parce que tout le monde est conscient qu'il y a la surpopulation carcérale. Donc c'est l'un des premiers problèmes. Si ce problème trouve une ou solution ou des solutions, je crois que ça va agir sur les autres. Parce que c'est cette surpopulation qui dégrade le cadre dans lequel les détenus vivent. C'est ça qui fait qu'il y a encombrement au niveau des prisons. C'est ça qui fait qu'il y a un impact sur leur alimentation. Leur traitement au niveau sanitaire est influencé. C'est ce qui fait que même lorsque au niveau des juridictions, les juges sont submergés. Donc vous voyez, c'est un problème en amont et tout le reste suit. Donc si des solutions sont trouvées déjà sur ce point-là, je crois qu'un impact d'ensemble va avoir lieu par rapport au problème qui vient se greffer à ce premier-là. C'est justement sur ce point ou bien ces points-là qu'ils attendent le ministre pour voir si il n'y a pas des dispositions qui sont en train d'être prises pour qu'il y ait encore des libérations anticipées. Ça, c'est d'une part. Et il voudrait savoir aussi qu'en est-il de la libération conditionnelle, parce que certains se disent que le régisseur fait des propositions de libération conditionnelle, mais qui n'aboutissent pas. Bon, ils ne sont pas informés, alors qu'il y a des suites quand même qui sont données. Et il voudrait voir si le ministre peut user de son autorité pour agir au niveau aussi de la liberté provisoire, parce que certains se disent qu'ils font des demandes de liberté provisoire et donc on leur oppose un refus, soit par des cautions très importantes ou par des conditions qui ne leur permettent pas de pouvoir bénéficier de cette liberté-là. Donc c'est autant de préoccupations qui sont ceux des détenus et sur lesquelles ils attendent fermement le garde des Sceaux pour leur donner satisfaction. Nous espérons bien qu'ils aient satisfaction pour le bien-être de tous les détenus. Nous voici arrivés à la fin de cet entretien, monsieur le directeur. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je remercie d'abord Radio Lomé pour sa sollicitude sans cesse croissante, parce que Radio Lomé a toujours servi de partenaire pour que les gens qui sont à l'extérieur des prisons puissent connaître un peu la réalité de nos prisons. Quoi qu'on dise aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont à l'intérieur des prisons. Demain, on ne sait qui y sera, parce que la vie est pleine de surprises et que pour un rien du tout, l'on peut se retrouver là-bas. Et dans la mesure où on a la possibilité, je crois qu'il faut contribuer à l'amélioration des conditions de détention. Parce que quoi qu'on dise, on aura toujours un parent, on aura un frère, on aura un ami qui sera toujours en détention. Merci, monsieur le directeur. C'est un plaisir. Vingt ans de réclusion criminelle, c'est la peine requise contre les nommés Ferdinand, Kofi et Kossi. Ils sont accusés d'homicide volontaire et de vol qualifié. Écho du Palais, c'est avec Hélène Assabi. Les nommés Ferdinand, Kofi et Kossi se sont connus à Lomé.
Un jour, au cours de leur discussion, ils émirent l'idée de soustraire frauduleusement un véhicule. C'est ainsi que dans la nuit du samedi 28 juillet 2008 à 21h, ils se rencontrèrent au niveau d'un restaurant situé sur le boulevard Circulaire. Était également présent dans le secteur la nommée Innocente, petite amie de Ferdinand qu'ils avaient souhaité associer à l'opération en vue de sa réussite, et le sieur Maouli, un ami de Kofi. Ensemble, ils prirent un taxi appartenant à Dame Abla et conduit par le nommé Bouraïman. Ferdinand était assis avec sa petite amie à côté du chauffeur et les autres sur le siège arrière. Ils ont fait croire au conducteur qu'ils se rendaient à Devikemé, un village situé sur la nationale numéro 2, en allant vers Agodrafo pour ramasser des chaises en plastique et quelques objets. Arrivés à l'entrée du village, ils demandèrent au chauffeur de virer et d'emprunter une route non bitumée. Avant d'arriver à la devanture de la maison où les effets à ramasser étaient censés se trouver, les nommés Kossi et Innocente descendirent. À quelques mètres de la maison, ils demandèrent au chauffeur de marquer un arrêt. Kofi, assis juste derrière le chauffeur, saisit celui-ci par le cou contre l'appui-tête du siège pour l'étrangler. La victime tenta de se défendre, mais ses bourreaux, entre-temps rejoints par Kossi, parvinrent à le tirer hors de la voiture, le ligotèrent aux pieds et aux mains avant de le jeter dans la brousse, bâillonné et les yeux bandés. Ils emportèrent ainsi le véhicule automobile. Ils rejoignirent la nommée Innocente qui les attendait à quelques centaines de mètres des lieux du crime. La firent monter dans le véhicule et prirent la direction du village d'Améniran dans la préfecture de Vaud. Là, Maouli et Innocente se logèrent à l'auberge, tandis que Ferdinand, Kofi et Kossi prirent une autre direction. Le lendemain, 27 juillet 2008, le corps sans vie du chauffeur Bouraïman fut découvert et les investigations de la brigade territoriale d'Agboudrafo permirent de localiser les présumés auteurs du crime dans le village d'Achansi, dans la préfecture de Vaud. Les enquêteurs ont d'abord mis la main sur le nommé Ferdinand, ensuite sur Kofi, Maouli et Innocente le 30 juillet 2008. Enfin, Kossi, qui avait réussi à prendre la fuite, a été également interpellé le 12 janvier 2012 suite au mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction. Entendu qu'en enquête préliminaire, tous les mis en cause ont reconnu les faits à l'exception de Maouli et Innocente. Ces derniers ont déclaré avoir fait le déplacement ensemble avec leurs co-inculpés tout en ignorant tout de leur projet et ne les ayant pas aidés à l'exécuter. Devant le juge d'instruction, Maouli et Innocente ont clamé à nouveau leur innocence tout en confirmant leur déclaration en enquête préliminaire mettant en cause leurs co-inculpés. Entendu que l'information n'a révélé aucune charge contre les nommés Innocente et Maouli et que c'est l'inculpé Ferdinand qui s'est servi de sa petite amie pour mettre en confiance la victime et faciliter l'opération, aucune charge n'a été donc retenue contre eux. Mais Ferdinand, Kofi et Kossi ont été, eux, accusés d'homicide volontaire et de vol qualifié. Ils ont été donc condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Du sport, démarrage ce samedi à Dakar au Sénégal de la Coupe de l'UFO. 16 nations de l'Afrique de l'Ouest sont en lice. Les Super Eagles du Nigeria affrontent ce soir à partir de 20h les éperviers locaux du Togo. Football toujours préliminaire du deuxième tour retour des Coupes africaines. L'ASK du Togo en Ligue des Champions joue demain sa qualification à Kinshasa en RDC Congo face à l'AS Vita Club. En Coupe CAF, Maranatha de Fiokwa en déplacement à Bamako au Mali a rendez-vous avec le Djoliba Club cet après-midi. Enfin, une course populaire dotée de prix a lieu ce samedi à Lomé à l'endroit des jeunes des deux sexes venus de Lomé et de l'intérieur du pays. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine au Togo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Revue de presse pour clôturer ce journal magazine. La problématique de la candidature unique de l'opposition continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pendant ce temps, le chef de l'État, Faure Nyanzimbe, poursuit son agenda axé sur le plan national de développement PND. Revue de presse, Léontine Atogima. Faure Nyanzimbe a pris part aux 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York sur le changement climatique avec dans sa valise le PND, titre chronique de la semaine. Le président togolais a saisi cette occasion pour échanger avec ses homologues sur la mise en œuvre du plan national de développement renchéri l'Union pour la patrie. Abondant dans le même sens, Ouara les vainqueurs ajoute que le chef de l'État a discuté avec diverses personnalités sur des questions de développement et de coopération dans la perspective de rassurer les partenaires à investir au Togo. L'une des retombées de ces rencontres, le renforcement des liens économiques entre la Banque mondiale et le Togo autour du PND, note le bimensuel économie et développement. Le dialogue rappelle que Faure Nyanzimbe était l'invité d'honneur au Forum africain à New York. Londres, Tokyo, Shanghai, Sri Lanka, Émirats arabes unis, États-Unis. Qu'est-ce qui fait courir Faure Nyanzimbe interroge l'éveil de la nation. Le perroquet, dans la même lignée, se demande ce que rapporte au juste ces randonnées à l'État togolais. L'éveil de la nation revient et indique qu'à la fin de son troisième mandat, placé sous le sceau du social, le chef de l'État aura des comptes à rendre aux Togolais et surtout pour pouvoir bénéficier de nouveau du plébiscite des militants et sympathisants de son parti Unir, le numéro 1 des Togolais doit ajouter l'acte à la parole. D'où ce parcours à travers le monde pour ramener du concret vers son pays, poursuit le bi-hebdomadaire. Parlant de plébiscite, les acteurs politiques s'activent déjà pour la prochaine échéance électorale. Principal sujet à l'ordre du jour dans le camp de l'opposition, la candidature unique ou individuelle. Candidature unique de l'opposition, personnalité apolitique, une proposition de docteur Cuisson de Santé du Peuple qui irrite l'ANC. Candidature unique de l'opposition pour 2020, docteur Georges Cuisson pour Fabre et Tchassouna contre, rajoute Ouara les vainqueurs. Pour l'Indépendant Express, la candidature unique n'est qu'une valse des hypocrites. Jean-Pierre Fabre juge d'ailleurs la question non fondamentale, rapporte le messager. Le président national de l'ANC n'exclut pas d'ailleurs la possibilité d'être candidat renchéri Nouvelle Opinion. Face à cette guéguerre entre les leaders de l'opposition, la Dépêche lui trouve que l'opposition est encore mal partie pour la présidentielle de 2020. Rien de surprenant selon Tingo Tingo, l'opposition togolaise toujours dans ses errements. A Toupani d'affirmer que dans ses roublardises, trahison, duplicité, nonchalance et coup bas, l'opposition extra-parlementaire fait don d'un quatrième mandat à Faure Nyanzimbe. Le camp d'en face, le parti au pouvoir Unir, serein, envisage déjà sa victoire à l'élection présidentielle comme le précise l'Union pour la patrie à sa une. La grande victoire Unir, c'est en 2020. Candidature du chef de l'État et alternance politique souhaitée pour 2020, seul Faure Nyanzimbe a le dernier mot, remarque Libération. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du magazine Pluriel de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous.